Apocalypse. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta pensée, merci pour cette assemblée des hommes et des femmes, Seigneur, cette assemblée d'hommes et de femmes qui te cherchent ici et ailleurs, Seigneur, et nous voulons vraiment que ton règne demeure parmi nous et que toutes nos pensées te soient soumises entièrement. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Apocalypse chapitre 20. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et l'enferma et mit le sceau sur lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le dragon. Et on nous dit au verset 7. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent et se répandirent à la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais Dieu fit descendre un feu du ciel qui les dévora. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge ou au siècle des siècles. Nous avons dans ce livre les informations concernant le futur de Satan. D'ailleurs, c'est le seul livre sur Terre qui nous donne avec précision des informations concernant la finalité des choses, concernant la fin de toutes choses, et notamment la fin de cet être maléfique qui fait des dégâts. Le premier livre de la Bible, la Genèse, on en a parlé rapidement la dernière fois, le commencement. Genèse veut dire l'entête, le commencement. Dès Genèse 3, on voit ce serpent qui rentre en scène. Il était où? Eh bien, il était dans le jardin d'Éden. C'est quand même bizarre. Là où il y avait la vie, l'arbre de vie, et lui, il était à côté. Waouh! Qu'est-ce qu'il faisait là? Parce que le premier livre de la Bible en parle, et le dernier livre parle de ce serpent. Vous voyez, ça veut dire que de Genèse à Apocalypse, il est en activité, en pleine activité. Terrible. Le livre de Genèse nous parle du début de l'humanité, la création de l'homme, bien sûr. Et le livre d'Apocalypse nous parle de la fin de l'humanité. Et au début de l'humanité, Satan était opérant. À la fin de l'humanité, il sera opérant. Il va opérer, il va. Mais c'est quand même. Et au milieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il fait des rages, il fait des dégâts. Et on le présente comme le serpent ancien.
Vous savez, il a, dans sa chute, comme vous le savez, entraîné un tiers d'anges. Pourquoi? Bien sûr, il voulait être, comme vous le savez, il voulait la place de Dieu. Dieu l'a créé, il était un chérubin, ce n'était pas n'importe quel ange. Hein. Les chérubins, d'après les Écritures, selon Ézéchiel 1er, si vous lisez ce passage, vous allez voir comment sont les chérubins. C'est des êtres tellement, tellement saints qu'ils sont autour du trône de Dieu. Et la parole nous dit même que Dieu est assis hein, sur les chérubins, pour vous dire à quel point ces anges sont particuliers. Et, mes amis, Ézéchiel nous dit que quand Dieu l'a créé, il était un grand chérubin, il avait de grandes ailes, il était parfait, il était beau. Et Dieu a préparé des instruments de musique ce jour-là, le jour où il était créé. Nous croyons que parmi les premiers anges que Dieu a créés, Satan était là. Il faisait partie des premiers anges que Dieu a créés. Et là, il était beau, il avait toutes sortes de pierres précieuses. On cite toutes ces pierres, au moins 12. Dormez pas, ma sœur, surtout quand on parle de ces êtres-là. Il ne faut vraiment pas dormir, là, s'il vous plaît. Si le sommeil vous menace, il faut vous lever, c'est un conseil. Là, nous venons ici, là, c'est la guerre, hein, je vous dis. Hein. Avec la vision que Dieu m'a donnée ce matin, où il y a eu beaucoup de lézards, là. Je ne vous dis pas que hein, ces lézards cherchaient à rentrer quelque part. Ah, je vous dis, hein. Il ne faut pas dormir. Et ça, c'est un conseil. Parce que l'état spirituel des uns des autres, là, ça, c'est une guerre. Hein, c'est pas... Vous savez, ce message-là, ça attire de tout. Hein. Si vraiment un endroit où il ne faut pas dormir, c'est bien ici. Alléluia. Il a vu comment les anges, d'autres chérubins, louaient Dieu. Il a vu tout ça. Et il a commencé à s'organiser. Il a commencé à mettre un projet en place. Comment il allait faire pour renverser Dieu. Ça, c'était son projet. Et vous allez voir que cette attitude-là, cette manière de procéder, le fait de chercher à renverser quelqu'un, eh bien, on retrouve ça partout. Dans les églises, dans nos pays, chacun veut la place de l'autre. Voyez? C'est terrible. C'est lui-là même qui est dans ton gouvernement, là, qui est ministre. Lui-là, il se dit, celui-là, là, quand est-ce qu'il va tomber pour que je prenne sa place. Voyez, c'est ce que Satan a transmis aux hommes. C'est la guerre de pouvoir. Les hommes sont prêts à tout. Parce qu'il y a cet être-là qui est derrière et qui opère, qui agit, qui fonctionne, qui est opérationnel. Il regarde comment Dieu était adoré. Il a vu la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, comment les anges adoraient le Seigneur et comment ils se réjouissaient dans sa présence. Dans Ézéchiel, justement, on en parle. Ézéchiel 28. À partir du verset 1er, la parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au cœur de la mer, quoique tu sois un homme et non Dieu, et parce que tu as élevé ton cœur comme si tu étais un Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Vous vous rendez compte? Il avait une telle sagesse. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait avec cette sagesse-là? Ben, il l'a transformée en philosophie. Ah ben oui, laissez-moi vous parler ouvertement de la part du Seigneur. Satan avait plus de sagesse que Daniel, c'est écrit. Or, Daniel était
un prophète très sage. Il pouvait expliquer toutes sortes de songes, de visions. Et Satan avait plus que ça de sagesse. Il avait aucun secret, nous dit la parole, lui était caché. Aucun secret. Dieu lui avait révélé beaucoup de choses. Et sa sagesse, il la transforme en philosophie. C'est quoi la philosophie? Hein? L'amour de la sagesse. Philo vient de Philadelphie, par exemple, l'église de Philadelphie. Voilà. Et Sophia, c'est la sagesse. C'est l'amour de la sagesse. La recherche effrénée de la connaissance. Avec les siècles de lumière, notamment en Europe. Voyez, Satan est venu et il a illuminé les yeux de ces philosophes. Il leur a donné une fausse lumière. Et il propose cette philosophie aux pasteurs, leur proposant, n'est-ce pas, la théologie. Toutes ces sciences. Oh, écoutez bien l'enseignement. Et il se disait, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Vous vous rendez compte, la prétention qu'il avait? Et c'est pour cela, il a dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. Ben voilà, lui il a échoué. Et il est devenu le Dieu de cet âge, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Que beaucoup adorent. Je vais vous dire, plus de 90% de vos églises, là, dans tout, je veux dire même les églises qu'on a pu implanter hier, je vous dis, 90% c'est Satan qui est assis dedans. Il ne faut pas croire, je vous dis la vérité. Déjà dans une assemblée où le pasteur est là depuis plusieurs années, il faut vous poser la question, c'est suspect. Parce qu'un vrai pasteur ne reste pas plusieurs années à la tête d'une église locale. S'il reste là dedans, c'est Satan, il est dans le système de Satan. Ça peut vous choquer, hein? Mais moi, je fais tout avec la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la Bible, les pasteurs se déplaçaient. Ils finissaient le travail, ils allaient ailleurs. Mais le problème, c'est que dans nos églises, on prend un homme, on le met pasteur, et on ne veut pas qu'il bouge. On veut le garder à vie. Vous êtes là. Quand on dit qu'il faut le faire bouger parce qu'il va mourir, on dit non, il faut qu'il reste là. C'est notre pasteur, c'est-à-dire notre idole. On va vous parler du système satanique diabolique. Quand on parle de Satan, les gens pensent qu'il faut le voir avec des cornes. Alors qu'il est assis là dans les assemblées, il est bien dans vos maisons, tout ça, il est bien assis là. Alléluia. Vous voulez que j'en parle encore? Oh Seigneur, sauve-nous. Et Dieu continue. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence. Donc on nous dit qu'il était intelligent. Et son intelligence, il a transformé en ruse. Voyez? La sagesse, ça a donné naissance à la philosophie. L'intelligence à la ruse. Sagesse, philosophie, intelligence, ruse. Il est très rusé. Très subtil. On nous dit qu'il a acquis de la puissance par son intelligence. Donc il est capable de tromper les gens et de prendre ce qu'ils ont. De voler ce que les gens ont. Par sa ruse. C'est ce qu'il a fait. Quand il a vu Adam et Ève avec la clé, ils avaient la clé de la terre pour gouverner la terre. Hein? Il est venu avec son intelligence, avec sa ruse. Hein? La parole dit quoi? Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Dieu avait créé. Ah ah! Vous avez vu? Allons voir ça. On connaît ce passage-là. Gardons une main. Un doigt sur Apocalypse, sur Ézéchiel 28, parce qu'on va revenir dessus. Gardez votre cette page là, parce que Genèse chapitre 3,
le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. Vous voyez là, l'intelligence ici, la ruse. En fait, le mot ruse ici signifie aussi prudent. Et c'est pour cela que Yeshua a dit, soyez prudent comme le serpent. C'est terrible, hein? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est tellement prudent qu'il va te pousser à la bêtise. Il va te pousser au mal. Et lui se cache derrière. Il vient voir Adam et Ève, surtout Ève. Il dit, Dieu, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il savait très bien que Dieu n'avait pas dit ça. Donc il a posé une question très insidieuse et ça a poussé Ève à entamer une discussion avec lui, à dialoguer. Et là, elle était séduite. Et là, mes amis, Dieu continue, il dit, tu as multiplié, regardez au verset 4, je relis, tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence, et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il aime s'enrichir, donc la richesse, l'or, l'argent. Quel est l'évangile qui est le plus prêché aujourd'hui dans les églises? L'argent. Donc vous voyez bien que Satan est là. Non mais frère, quand il dit c'est gratuit, mais non mais l'évangile, tout ça, ils veulent trouver des voies et moyens pour quand même vous faire vendre des choses. C'est pour cela que le message de la gratuité dérange autant. Yeshua a dit quoi? Vous avez reçu gratuitement le pouvoir de chasser les démons. Donnez-le. Qui a donné cet ordre-là? Donc tous les disciples de Jésus-Christ obéissent à sa parole. C'est écrit. Vous vous rendez compte? On vend de l'huile qui vient d'Israël. On vend des parfums qui viennent d'Israël. On vend de tout. C'est même la parole de Dieu qui est censée être gratuite, on vous la vend. Je parlerai dans cette génération, même si on veut que je me taise, je parlerai. Je n'ai pas le choix que de dire ces choses-là, parce que nous avons affaire à quelqu'un dont les yeux voient. Vous rendez compte? C'est un commerçant. C'est-à-dire, il a commencé avec l'or, l'argent, les pierres précieuses qu'il avait au ciel. Satan a commencé à faire du commerce d'abord au ciel. Il a ouvert un marché. C'est le premier être à avoir mis en place un marché. Et quand il est descendu sur terre, il est allé posséder les marchands du temple. Vous vous rappelez? Le Seigneur a fait un fouet, il les a chassés du temple. Il vendait des pigeons. Pourquoi? Parce qu'il fallait des pigeons pour le sacrifice. Alors les commerçants se sont dit, on va trouver un moyen pour pouvoir nous enrichir. Vendons les pigeons. Où? Dans le temple. Comme il faut la parole de Dieu, les hommes ont besoin de la parole du Seigneur, beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vendons-la. Les gens pensent que pour savoir que le diable est là, il faut le voir. Mais ses œuvres sont là. On reconnaît un arbre à quoi? Ah ah. Gloire à Dieu. On reconnaît un arbre à? Ses fruits. Ah ben, c'est magnifique ça. Gloire à Dieu. Le commerce. Dieu continue. Et c'est grave, hein, mes amis. Puis ton cœur s'est élevé à cause de ta puissance. C'est un être puissant. Puissant. Il a dit à Jésus, je te donnerai la puissance de ce royaume. Si tu m'adores.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Parce que tu as élevé ton cœur comme si tu étais un Dieu. À cause de cela, voici, je m'en veux faire venir contre toi les étrangers, les plus terribles parmi les nations, qui tireront leurs épées sur la beauté de ta sagesse et sueront ta splendeur. Waouh! Regardez. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Le verset 11. La parole de Yahweh vint encore à moi en me disant, fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh, toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden. Le jardin de Dieu, ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, oint, pour servir de protection. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais entre les pierres éclatantes. Tu étais parfait dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Selon la grandeur de ton trafic, tu as rempli de violence et tu as péché. Tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu, c'est-à-dire du ciel. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Vous vous rappelez, non? Il y a eu une guerre où? Au ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon s'est combattu avec ses anges. Vous vous rendez compte? Chassés. Et leur place ne fut plus trouvée au ciel, nous dit la parole. Comme une chose souillée. Allez, sors de là. Il ne voulait pas quitter le ciel. Dieu l'a chassé par la force. Dieu a envoyé des anges guerriers, Michael notamment. Allez, chasse-le. Michael est venu avec ses anges. Satan s'est dressé contre Michael. Il s'est levé avec ses anges. Un tiers d'anges, vous vous rappelez? C'est énorme. Si ce tiers se matérialisait, la terre n'est pas assez grande pour les contenir. Tellement qu'ils sont nombreux. Même l'univers n'est pas assez grand pour les contenir, tellement qu'ils sont nombreux. Et c'est pour cela, à cause de leur nombre trop élevé, eh bien, plus de 6000 démons peuvent posséder une personne. 6000 démons. Quand Jésus a rencontré cet homme possédé, il a posé la question, quel est ton nom? Le démon a dit, nous sommes une légion. C'est-à-dire la légion romaine qui comptait entre 3000 et 6000 soldats. Cette légion-là, c'est quoi? Donc on va dire 6000 démons par exemple. Et bien dedans, vous avez des lézards. Vous avez des scorpions. C'est comme des animaux. Pourquoi? Les démons, quand ils ont été chassés du ciel, ces chérubins, ils sont devenus comme des animaux. C'est pour cela, on nous parle du serpent. On nous parle du dragon. C'est-à-dire, ils ont un caractère bestial. C'est pour cela que les personnes possédées, leur caractère est comme, hein, c'est comme des animaux. Voilà. Ça ne réfléchit plus. Dormez pas. Alléluia. C'est comme un zoo. Quelqu'un qui est possédé comme un zoo. Vous avez de tout. Il y a le démon de racisme qui est là. Démon d'impudicité qui est là. Alors le démon d'impudicité, il est comment? À la base, c'est la sirène de... Vous savez quand les démons sont chassés du ciel, quand le Seigneur les a chassés du ciel, ils sont tombés sur la terre. Alors regardez bien, regardez. Ils sont chassés. Le ciel est ici. Là, c'est le trône de Dieu. D'accord? Le royaume de Dieu. Le ciel. Là, il y a trois cieux, nous dit la Bible. D'accord? Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, il y a trois cieux. Lui, il a été ravi jusqu'au troisième ciel, où il y a le paradis, si vous lisez à la maison ce passage. Mais regardez, le troisième ciel, c'est ici. Donc là, c'est là où Dieu règne, le paradis. Satan, quand il a été chassé, dans Apocalypse 12, il a commencé à occuper le deuxième ciel et le premier ciel, donc les deux premiers cieux. Alors là, c'est le ciel atmosphérique. D'accord? Et là, c'est le ciel astral.
Éphésiens chapitre 2, on nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est l'esprit, c'est l'esprit. Lisons-le, vous allez voir, vous allez comprendre. Ça vous intéresse tout ça là? Il faut qu'on vous donne des informations sur cet être-là pour ne plus vous faire avoir. Moi, il ne peut pas me toucher ni ma famille parce que Dieu nous protège. Dieu ne peut pas te donner un tel message là s'il ne te protège pas. Regardez Éphésiens chapitre 2. On va vous parler des royaumes de Satan parce qu'il y en a plusieurs. Il y a un seul royaume, mais qui est divisé en plusieurs zones, plusieurs départements, comme un pays. Voilà. Regardez Éphésiens chapitre 2, au verset 1 et 2. Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles. On nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Alors le mot air ici en grec signifie aussi atmosphère. Donc c'est le ciel atmosphérique. Et selon les scientifiques, il y a plusieurs couches atmosphériques. D'accord? Voilà. La stratosphère par exemple, tout ça là, il y en a plusieurs. Donc on va pas développer là-dessus aujourd'hui, peut-être une autre fois. Et Satan occupe ce premier ciel, donc l'atmosphère. Il occupe aussi le deuxième ciel, le ciel astral, où il y a les astres, l'espace. Voilà pourquoi les noms des planètes sont des noms des démons. Jupiter est un démon, Mars est un démon, Pluton un démon. Pluton c'est l'enfer, c'est Hadès, Pluton, pour votre information. Mars c'est le dieu de la guerre chez les Romains, voyez, c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Ben oui. C'est-à-dire, la parole dit vrai. Alléluia. Ce sont les noms des divinités gréco-romaines. Voyez? Donc, Satan vient et il positionne ses démons. Donc, les deux premiers cieux, le ciel atmosphérique et le ciel astral, eh bien, là, vous avez un royaume. C'est ce que Éphésiens 6 nous dit. Éphésiens 6 nous dit que nous avons à lutter contre les puissances de méchanceté dans le lieu céleste. Qui a déjà lu ça? Voilà. Et c'est pour cela que Jésus dit que les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire les démons. Et la parole nous dit quoi? On a vu par rapport à l'ouverture des sceaux. Hein? Et au retentissement des trompettes, ceux qui ont suivi ces enseignements. On vous a dit qu'il y a les étoiles qui tombent du ciel. Ce sont les démons. Vous voyez, non? C'est-à-dire là, plus Jésus descend, plus la pression s'exerce. La pression du Saint-Esprit s'exerce sur les deux premiers cieux et les étoiles tombent. Vous comprenez? Donc, ils ont été chassés du premier ciel. Le troisième ciel, pardon, et ils ont occupé les deux premiers cieux. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Là où nous avons les puissances, mais les esprits méchants, terribles, qui sont là. Sur Éphésiens 6. Et toutes les personnes qui ne craignent pas Dieu, quand ils prient, quand elles prient, leurs prières sont bloquées ici. Et vous avez parmi ces démons la reine du ciel, dont parle Jérémie chapitre 7. À qui on faisait des gâteaux. On l'appelait la reine du ciel. Et la reine du ciel a été, n'est-ce pas, adoptée par l'église romaine comme étant la mère de Dieu. Marie, la mère de Dieu. En fait, c'est Diane ou Artémise chez les Romains, les Grecs. Voilà, quand les catholiques prient Marie, mère de Dieu, en fait, ils s'adressent à ces démons qui sont ici. À une des divinités qui règne ici. Les saints catholiques que vous adorez, vous, à qui vous adressez vos prières, ce sont ces démons qui sont ici. La plupart, il y en a qui sont dans les eaux, on verra cela. Ça vous intéresse tout ça? Est-ce que ça vous ouvre l'intelligence tout ça?
comment il est organisé? Alors vous voulez faire le frère, je reviens, on va faire un séminaire. Tu es prêt à subir des attaques là? Tu es prêt mon ami là? C'est pas un jeu. Hein? Si tu as du mal déjà avec les démons qui sont dans ton quartier là, tu veux déjà envoie, tu veux, faut pas jouer avec le feu. Ah non. Alléluia. Vous voulez qu'on continue? Écoutez, le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Ils n'aiment pas ça, Satan n'aime pas toutes ces choses-là. Je dis, comme j'ai une alliance avec le Seigneur, il protège ma famille, mes enfants, il n'y a pas de problème. Mais parce que là, si tu n'as pas une alliance avec le Seigneur, si tu n'es pas mandaté là, tu es foudroyé. Hein? Ah ouais. Toutes les religions s'adresse aux divinités qui sont au premier et deuxième ciel. Et c'est souvent les esprits religieux. Ils peuvent apparaître aux gens sous la forme des anges et donner des messages, créer des religions. C'est terrible. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ekanka, Maïkari, tout ça là, et toutes ces églisettes là, tout ça là, ben, travaillent avec ces esprits là. Satan leur a donné des trônes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là au niveau des airs. Il y a une partie qui est tombée dans les eaux. Et l'un de ces démons, c'est la sirène. Les Écritures nous disent qu'il y a les anges des eaux, on l'a lu ça, qui vont être liés. Quatre anges qui étaient liés sur le fleuve, l'Euphrate, qui vont être déliés. Donc ce sont des démons. Ah, la parole nous dit quoi dans Proverbe 12? Malheur à la terre et à la mer, parce que les démons sont descendu, le diable et ses démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère. On parlait à l'époque de chants de sirènes que les marins entendaient, tout ça, et les gens pensaient que c'était c'est un mythe. Non! Et la sirène des eaux, c'est-à-dire il y a un monde, là il y a un monde céleste démoniaque, il y a aussi un monde marin. Voilà. Vous voyez, c'est. Ça va tout le monde? Dieu est bon? Vous voulez qu'on continue là? Ok. Oh Saint-Esprit, sauve-nous. Seigneur, guéris-nous. Au nom de Yeshua. Les démons n'aiment pas ces enseignements-là. Ça va exciter. Les gens qui sont possédés par ces démons-là, Dieu leur fait grâce, les arrache de ces esprits-là, de griffes de ces esprits. Les eaux. Alors, la sirène des eaux est un serpent à la base, un serpent. Et ce serpent-là, cette sirène-là, elle travaille, hein, elle pousse les hommes et les femmes au sexe. Un démon sexuel très puissant. Vous tous qui êtes là, là, qui n'êtes pas mariés et qui couchez, tout ça là, vous êtes contrôlés par les esprits des eaux. C'est-à-dire quand vous avez vos rapports sexuels, vous couchez avec un serpent. Et vous recevez ses œufs. Faut pas rigoler, hein. Pas un jeu. Je me rappelle. Je suis allé, on m'a invité pour aller intervenir dans une assemblée où le pasteur était sorti avec plus de 50 femmes. Et un des évangélistes là-bas qui était avec ce monsieur, dont la femme sortait avec ce pasteur, pendant qu'on priait, la gloire de Dieu est tombée sur tout le monde.
Et lui, il courait devant moi. Il était assis derrière. Il marcha quatre pattes, saisi par l'onction. Et il est arrivé jusqu'à devant, jusqu'à l'endroit où j'étais. Il me dit, derrière où? Il me dit, derrière, il y a un serpent derrière qui sort derrière. En fait, derrière, vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait un serpent qui sortait. Et il sentait le serpent physiquement, mais c'était un démon. Mais il le sentait physiquement, il sortait. Et ce monsieur était pratiqué des... Vous comprenez? Il était... voilà. Voyez? C'est des choses que beaucoup ignorent. C'est pour cela que vous allez voir le fleuve, la Nende, les gens vont faire des incantations dessus, ils vont se laver parce qu'on dit que c'est le fleuve en question est saint, ça purifie. C'est pour cela que vous avez la religion là, a un rapport avec l'eau. Hein? Vous avez des sectes comme plein d'autres, ça travaille au bord de l'eau, ça prie au bord de l'eau, tout ça, l'eau. Vaudou, tout ça là, vous voyez, ça... Ils envoient des cadeaux, ils envoient des choses, des dons, des offrandes aux esprits des eaux. Je vous dis une chose. Vous connaissez, je ne dirai pas le nom de cette société, c'est une société qui travaille avec le pétrole, une société française, qui travaille à Pointe-Noire, au Congo-Brazza. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un monsieur à Pointe-Noire tombe dans un trou. Un trou qui faisait quoi? Même pas un mètre. Personne ne pouvait le sortir de là. Personne. C'est-à-dire, il était, on voyait son buste, hein, donc il était, on pouvait creuser et creuser et creuser, personne ne pouvait le sortir. Et ils ont compris que c'était la sirène des eaux qui l'avait bloqué. Et les Français qui travaillent dans cette société sont venus. Parce qu'avant d'aller prendre le pétrole dans l'eau là-bas, ils font des cérémonies. Français ou pas, européens ou pas, ils font des cérémonies. Sinon, il n'y a pas de pétrole, sinon il y a des décès bizarres. Je vous dis. Et là, on creuse, l'homme ne sort pas. On tire, ils ont pris un tracteur pour tirer l'homme, rien à faire. Et ils étaient obligés de l'amputer pour pouvoir le sortir, il était déjà mort. Et vous allez à Pointe-Noire, vous allez voir des véhicules qui rentrent dans l'eau. Sous l'eau. La nuit, hein, parfois en pleine journée, ça sort. Je vous dis. Quel gens entendent parler de ça? Les Brazzavillois, les Congolais de Brazza. C'est des choses, c'est des choses qui existent. Les gens sont naïfs. Ils rentrent dans leur véhicule parce qu'ils ont fait des cérémonies. Ils sortent de là, ils vont sur un rond-point, ils vont se déshabiller, déposer des poissons, gros poissons, et puis nus. Ils tournent autour du rond-point, tout ça, ils font des incantations, ils rentrent dans leur voiture nus et partent. Alléluia. Vous voulez qu'on continue encore? Ouais, quand on parle de tsunami, tout ça là, les tsunamis. Quand Jésus dit dans cette barque, il était dans cette barque là, vous vous rappelez? Quand il a dit à la mer, tais-toi. Vous pensez quand il parle à la mer là, il parle à la mer seulement? Vous aussi. Il parle aux démons qui commandent la mer. Tais-toi! Silence. Rappelez-vous bien. Que le mot mer en hébreu ou en araméen signifie littéralement démon, esprit, c'est une divinité. Bah oui. Et là, il positionne son royaume ici, Satan. Mais il ne s'est pas arrêté là. D'autres sont tombés sur terre. Et il a positionné aussi des esprits ici. Tout ce qui est forêt, vous n'avez jamais entendu parler de pratiques dans les forêts, tout ça? Voilà. Forêt, tout ça, oui. Forêt, montagne, tout ça, la colline, tout ça, là.
Il y a une famille qui m'a parlé de leurs problèmes. Ils ont un terrain dans un pays, je ne dirai pas le nom, vous inquiétez pas. Mais pour construire dessus, c'est compliqué. Ben oui. Regardez le problème d'héritage. Un homme meurt, il laisse beaucoup de terres. Et regardez comment les gens sont sacrifiés par la suite. Problème de terre. Vous n'avez jamais vu ça? Il a mis en place tous ses royaumes, tous ses territoires. Et Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants ou les puissances de méchanceté dans le céleste, contre les princes de les princes des ténèbres de ce royaume, de ce monde. Chacun a un territoire qui lui est assigné. Vous vous rappelez Daniel quand il était envoyé par le Seigneur? Pendant 21 jours, un démon l'a bloqué. Vous vous rappelez, non? Un démon a dit à Daniel, tu ne passes pas. À l'ange que tu avais envoyé. Et cet ange a combattu pendant combien de temps? 21 jours. Et qui est venu pour le libérer? L'archange Michael. Vous vous rendez compte? Cet ange l'a bloqué. Il fallait l'intervention de l'archange, d'un archange, un de chef. Parce que c'était un gros démon. Michael est venu, il a délivré cet ange. Et l'ange en question est allé délivrer son message à Daniel. Et Michael l'a attendu là, jusqu'à ce qu'il ait libéré et délivré son message pour le raccompagner au ciel, certainement. Vous n'avez jamais vu qu'il y a des ronds-points et des endroits quand vous arrivez comme ça, toujours des morts bizarres. Hein? On va prendre un monument bizarre qu'on va construire là. On va mettre une statue bizarroïde à un endroit bien précis. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Des cérémonies bizarres, tout ça. Ben, c'est des alliances qui sont renouvelées. Hein? Des pactes. Il y a beaucoup d'Européens qui partent en Afrique. Ils reviennent avec des statuettes. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Hein? Masque africain. Alléluia! Vous voulez que je parle encore? Et puis ils ne comprennent pas. Le lendemain, cancer, divorce, la mort qui rentre dans la maison. Mais comme ici Satan leur a dit, vous allez être plus philosophes que les Africains. Alors vous allez être beaucoup raisonné et ne pas croire que j'existe. On veut trouver la raison à tout. On veut être dans le raisonnement. Parce que c'est comme ça que tu as été formaté. On a rempli ton crâne de philosophie, de raisonnement. Tout doit être analysé. Et quand on n'arrive pas à trouver une solution, tout doit être rationnel, tout ça. Et bien on fait des piqûres. Tac. Voilà. Vous voulez que je parle encore? Vous voulez que je continue encore? Un jour, je suis à la mission au Gabon. Je voudrais raconter cet épisode. On me met dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Je vois en face de moi un masque africain. Je sentis qu'il y avait un démon là-dedans. Mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi. Mes amis, à peine que j'ai posé ma tête, à peine que je me suis endormi, le masque a commencé à me parler. Je me suis réveillé, comme ça en face de. En fait, c'est un hôtel mystique. Quand ils ont construit cet hôtel, ils ont mis des masques comme ça dans toutes les chambres. Et tous les gens qui dorment là-dedans, ben, sont attaqués. Ces masques, ce sont des esprits qui prennent leurs biens, leurs étoiles. C'est des sacrifices. Je me suis réveillé, je l'ai regardé. Je lui ai dit, ma soeur, c'est une gomme que tu as? Non. Je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas. J'ai pris un tissu, j'ai mis par-dessus tout. Je lui ai dit, c'est fini. Le lendemain, je dis au gars, sortez-moi ce masque d'ici. J'ai payé, on a payé la chambre ici. Les démons n'ont pas à m'embêter. Je suis dans mon droit ici. Au nom de Yeshua. Hein? Je suis dans mes droits ici, là. Alléluia.
Nous devons, il faut connaître la parole de Dieu. Je dis, je suis dans mes droits, j'ai payé. Il n'a pas à me parler. Alléluia. Je suis reparti encore à Libreville. On m'a mis dans une autre chambre. Le même masque, j'ai, avant de dormir, j'ai appelé. Hein? J'ai appelé le concierge, le concierge, j'ai dit, s'il vous plaît, venez, enlevez-moi ce masque. Ici, c'est ma chambre. Remettez-le après moi. Mais pour l'instant, c'est moi qui suis l'occupant ici. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on parle encore? Amen. Satan ne peut pas vous atteindre si vous n'avez pas une porte ouverte. Il faut qu'il y ait un accès. Il va vous pousser à ouvrir un accès, à lui donner accès. C'est ça qui, c'est ce qu'il fait. Il rôde autour des gens jusqu'à ce que ces personnes lui donnent accès. Par la colère, par exemple, le mensonge, le manque de pardon, par les dots pour les Indiens et les Africains. La dot. Seigneur, sauve-nous. Voulez-vous que je parle encore? Dieu ouvre l'intelligence des gens. Écoutez. Satan est très rusé, très malin. Très malin. Et là, il envoie ses démons. Donc à part les démons qui sont autour de lui, un tiers d'anges l'ont suivi. Un tiers. C'est énorme. Dedans, vous avez des chiens, des démons en forme de chiens. Nous avons, c'est pour cela le mouvement de Toronto, là, tout ça, là, Airport. Toronto Airport. Vous savez ce mouvement qui fait que les gens imitaient les cris d'animaux. Dans les églises, on voyait les pasteurs à genoux en train d'aboyer. Ouh, 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 ouh. Et on disait, c'est l'onction. Une fois, Martin, en Guadeloupe, deux sœurs me posent la question, frère, notre pasteur s'est mis à quatre pattes en train d'aboyer parce qu'il a fait un tour à Toronto. Et que devrions-nous faire? Je leur ai dit, mais vous aurez dû prendre une laisse et l'attacher parce que c'est un chien. Alléluia! Et ensuite, priez pour sa délivrance. Dieu a dit, vous dominerez sur les animaux. Vrai ou faux? Satan vient, il dit non, il vous a menti Dieu. Je vous propose l'astrologie. Toi, tu es un scorpion. Alors que le Seigneur a dit quoi? Vous marchez, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et Satan vient, il dit non, il y a l'astrologie. Toi, tu es un scorpion. Donc il te dit, on va marcher sur toi toute ta vie. Satan vient, il dit, toi, tu es un poisson. Et les gens croient vraiment qu'ils sont poissons, hein, qu'ils sont ce sont des poissons avec une queue, avec des écailles. C'est pas étonnant si on essaie de t'écailler, tout ça, de t'enlever les écailles, là, tout ça, là, c'est pas étonnant. Si ta vie, toute ta vie, c'est toujours problème sur problème. Hein? Vous voulez que je parle encore? Il a une armée terrible aussi. Ce sont les sorciers. Les sorciers conscients et inconscients. C'est des gens, les sorciers conscients. On en a vu, hein, il y en a plein. Même ici, aujourd'hui, il y en a. Je crois qu'ils vont se convertir comme les autres. Au nom de Jésus de Nazareth. Je le crois. Dieu veut les sauver aussi. Les sorciers conscients, qu'est-ce qui se passe? On leur donne un bout de viande. Je suis allé à Kinshasa en mission. Écoutez bien, on était en prière comme ça, là. Dieu me dit, il y a une femme sorcière ici, c'est une jeune fille, elle est sataniste, elle sert le diable, elle parle avec le diable, elle a tué beaucoup de gens. Dis-lui de venir te voir à la fin. À la fin, je vois une jeune fille de 23 ans, très belle fille, étudiante, elle me dit, voilà, c'était moi. Je dis, ah bon? Toi, une fille comme ça, belle comme ça? Elle dit, oui, je suis sorcière,
j'ai tué beaucoup de gens. Et elle, je lui pose la question, alors comment as-tu fait pour avoir cette sorcellerie? Elle me dit, c'est ma grand-mère qui m'a donné à 9 ans un bout de viande. Et la nuit, elle est venue me chercher pendant que je dormais. Et elle m'a sorti de mon corps. Et elle me dit, rembourse-moi ma viande. Et elle dit à sa grand-mère, selon ses dires, elle dit à sa grand-mère, mais mamie, mais j'ai pas de viande. Et sa grand-mère lui dit, ben, il va falloir que tu viennes voir mon maître, à qui cette viande appartient, pour que tu négocies avec lui. Moi, je n'y peux rien, c'était sa viande. Et voilà comment sa grand-mère l'amène devant Satan en personne. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à servir le diable. Elle m'a dit, je tuais mon neveu, plus de 25 personnes. Elle m'a dit, même elle a fait rater la députation à beaucoup de députés qui voulaient des députés. Elle les a. Elle dit, je me prêtais à provoquer une grande guerre au Congo Kinshasa, mais j'ai échoué. Elle dit, je suis allé voir des pasteurs, mais il n'y a pas la puissance. Quand tu arrives dans telle église, c'est l'argent. Dans telle église, donne ta dîme, tu seras béni. Les pasteurs, eux, ils sont nus, il n'y a pas la puissance. Elle dit, je suis allé voir un autre pasteur. Le pasteur me dit, il faut que je couche avec toi pour enlever ta sorcellerie. Et là, on a prié pour sa délivrance. Tout de suite, elle a commencé à vomir. La sorcellerie est sortie. Elle a reçu le don de parler en langue, prophétie. Et jusqu'à ce jour, Dieu l'a restaurée au nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Alléluia! L'heure est grave. Dieu a dit quoi? À la fin de temps, dans les derniers jours, Dieu dit qu'il allait répandre son esprit sur toute chair. Satan lit la Bible à l'envers. Lui aussi dit, à la fin de temps, je veux répandre la sorcellerie sur toute chair. C'est pour cela que, si ce n'est pas par la viande que les gens sont initiés, c'est par des films où les démons sont banalisés. Par des jeux vidéo où il y a les démons tout le temps comme ça. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Les gens croient que la sorcellerie c'est en Afrique. Que seulement en Afrique. Ou en Haïti seulement. Hein? Oh, Martinique, comme c'est propre, il n'y a rien. Ah bon? Et les Dorlis là? Et quoi? Je dirais plutôt c'est qui? Ce sont des hommes qui se... Non, on va en parler. Vous n'êtes pas pressé, non? Ça vous ouvre les yeux tout ça? Qui réalise que nous sommes en guerre? Oh Seigneur, sauve-nous. Des gens qui viennent te voir, me voir pour me dire, frère, j'ai été initié à la sorcellerie parce que j'ai eu des rapports, hein, on a eu des rapports avec les hommes. Et on est devenu sorcier parce qu'ils nous ont transmis leurs semences. Et la nuit, ils viennent et puis hop, on sort. J'ai prié pour des enfants un jour. Ces enfants m'ont dit, toutes les nuits nous sortons. Nous allons dans les eaux, sous les eaux. Il y a un monde sous-marin. Et nous allons travailler les produits, tous les produits cosmétiques. Parce que Satan veut détruire l'humanité. Alléluia. Parlons pas en même temps, s'il vous plaît. Parce que les sorciers, ils aiment ça aussi. Pendant que l'enseignement est donné, derrière, ils sont en train de vous parler. La distraction. Ils sont méchants. L'armée de Satan, là, les sorciers, ils sont terribles. Je vous dis, hein. Quand un pasteur a le feu, Satan les envoie tout de suite dans l'église. Quand un pasteur commence une église, Satan voit les sorciers qui viennent comme ça. Parfois, ils sont conscients ou inconscients. Ils viennent, ils vont tout faire pour être dans la chorale. Ils vont tout faire pour approcher le couple pastoral, pour être à côté du pasteur ou de sa femme. Ils vont tout faire pour commencer à donner beaucoup d'argent pour que vous ne prêchiez plus la vérité.
y a même des assemblées qui ont été détruites parce que des sorciers sont venus. Ils faisaient des beignets tout le temps. Et tout le monde mangeait les beignets, ils ne comprenaient pas pourquoi. Sans sanctifier. Alléluia. Il y a une femme, un couple qui prie avec nous. À l'époque, j'étais encore jeune dans l'œuvre. Je les ai même, comme j'apprenais, hein, je les ai même reconnus diacres et diaconesses, sorciers. Cette maman, cette femme, venait me voir tout le temps. Aujourd'hui, quand elle venait, c'est pendant, elle venait me voir aujourd'hui, elle me disait, papa, bon, c'est comme ça qu'on appelle là-bas en Afrique, pasteur, prie pour moi parce que j'ai mal à l'œil gauche. Je priais pour elle. Le lendemain, elle revenait, c'est l'œil droit. Je priais pour elle. Elle revenait encore, c'est la jambe gauche. Je priais pour elle. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, t'as pas compris, c'est une sorcière. T'as pas compris qu'elle est en train d'épuiser ton onction. C'est des gens, il y en a qui sont ici. C'est toujours les mêmes. Même problème. Toujours, il faut qu'on les impose les mêmes. Vous savez pourquoi ils veulent qu'on les touche? Il y a une femme qui veut me voir il y a deux samedis. Touche-moi au lieu de front. J'ai dit, moi, à la fin du programme, moi, touche ton front. Pourquoi toucher ton front? Oh, je veux juste, moi je ne touche pas ton front. Pourquoi ils font ça ces sorciers, ces sorcières? Je ne dis pas forcément elle est consciente, parce qu'il y en a qui sont conscients, d'autres non. Parce que Paul dit qu'on n'imposait pas les mains avec précipitation, pour ne pas participer au péché d'autrui. Et quand tu poses ta main comme ça, si Dieu ne t'a pas dit, eh ben, tu reçois son péché, eh ben, tu commences à voir un feu étranger dans ton corps. Vous comprenez? Je vois des frères qui sont là, qui craignent Dieu, des sœurs qui craignent Dieu. Voilà un homme qui débarque comme ça. La sœur qui craignait Dieu n'a pas compris que c'est un sorcier qui a débarqué. Nous sommes, nous chrétiens, le Seigneur dit quoi? Nous sommes trop naïfs. Tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. T'es sûr? T'es sûr de toi? Seigneur, ouvre nos yeux. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, disait le Seigneur aux apôtres, mais l'un de vous est un démon. Il savait, il était là. Dans l'église de Jésus, l'église de 12 membres, Satan était au milieu. Vous vous rendez compte? Là au ciel, écoutez, je vais vous dire une chose. Satan n'est pas sorti d'Afrique ou d'Asie, de l'Amérique latine, je ne sais pas où. Il est sorti du ciel. C'est-à-dire là où Dieu règne, c'est là où Satan est sorti. Et vous pensez que sur terre, là, il va rester les bras croisés là? Dieu. Une fois, une femme sorcière est venue me voir pour dire non, Dieu m'a dit que nous, les femmes, on doit être autour de toi. Je lui dis non, ça, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Autour de moi, il y a Dieu. Alléluia! Et ils opèrent et ils travaillent. Une femme, un jour, m'a dit, mon mari se transforme en boa. Quand je le touche, il est tout froid. Et je vois comment c'est un boa, et puis tant qu'il revient normal. Et Satan détruit comme ça des foyers, détruit des églises, détruit des pays. Regardez les esprits de destruction en Afrique. Vous avez vu? On construit une route, le lendemain, il y a des cratères. Même si vos présidents construisent là, tant qu'ils ne vont pas libérer le pays là, spirituellement, là, les cratères, là, ça va recommencer. Là. C'est des esprits. On appelle ça aussi les esprits territoriaux. Je ne dis pas qu'il faut aller les chercher, tout ça, c'est pas ça. Ils sont là, dans les territoires. Vous n'avez jamais compris pourquoi certaines villes. Chaque ville a ses spécificités.
y a telle ville, c'est la délinquance. Telle autre ville, c'est l'alcoolisme. Les gens sont, la plupart sont alcooliques. Telle autre ville, mais on dit, mais là-bas, les gens ont un problème de... Hein? Des problèmes psychiatriques. Vous n'avez jamais vu ça? Jamais vu ça? Mais ça existe. N'avez-vous jamais vu ça? Regardez, il y a des coins où on se dit, là-bas, là, ce sont c'est comme des nuées ténébreuses qui sont là. Et les gens sont comme écrasés. Il y a des pays, quand vous arrivez en couple, vous sortez de là 3 ans après, divorcé. N'avez-vous jamais vu ces choses-là? Ça existe. Vous envoyez un couple missionnaire dans tel pays, 3 ans c'est trop. Divorce. Ça travaille. Et ça ne va pas s'arranger. Non. Parce que la parole nous dit, Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou l'esprit. Pour ne pas qu'ils comprennent la parole de Dieu. Ah, c'est ça. Vous avez des gens comme ça, vous leur annoncez l'évangile, ils vont vous dire oui, ils ne changent pas. Vous voyez? Quelqu'un a planté le blé dans son champ. Son ennemi est venu planter quoi? L'ivraie. Ah ah. Qui a planté l'ivraie? Satan. Ce sont ses enfants, les boucs. Ça veut dire que nous avons ici, on côtoie les gens qui ne sont pas de Dieu. On côtoie des gens, ils viennent même là, ils prient, ils pleurent. Ils vont mourir dans le péché et là l'enfer. Il n'y a rien à faire pour eux. Il y a des gens ici, on leur prêche la vérité. Mais comme ils ne sont pas de Dieu, c'est livré. Ils vont toujours aller encourager, soutenir financièrement ces pasteurs qui couchent avec des femmes d'autrui. Il n'y a rien à faire pour eux. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont au service du malin. Vous avez ces enfants de Satan, ils aiment toujours prendre le micro pour distraire tout le monde. Quand ils prennent le micro, tout le monde se dit à lui aussi. Alléluia! Il a terrassé les prophètes. Il a attaqué les hommes. Avec ses démons. Et quand, je vous dis une chose, vous savez, dans le temple, Satan était assis dans le temple. Il était dedans. Le temple de Jérusalem, il était dedans. Manassé avait introduit le culte démoniaque d'Astarté, de Baal, dans le temple. Ézéchiel, Dieu lui a montré quoi? Des figures d'animaux. Vous vous rappelez, non? Dans le temple. Le temple était souillé. Et vous croyez que nos églises, c'est comment aujourd'hui? Quand on vous dit, vous êtes des papillons. Toi, homme créé à l'image de Dieu, tu es un papillon, tu es une chenille. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous ne voyez pas qu'il y a des choses. Quand on vous dit, vous êtes, je ne sais pas quoi, vous êtes des champions, vous êtes de. Vous ne voyez pas quelque chose qui ne va pas là. Les animaux sont introduits dans les assemblées. Il y a même des églises, des bâtiments catholiques où on a même des animaux physiques pour que les prêtres les bénissent. Vous voyez, c'est, on est dans un temps de confusion totale. Alléluia. Je finis bientôt. Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il provoque des maladies, beaucoup de maladies. Il y a des maladies d'origine, bien sûr, microbienne, tout ça, virale, tout ça, mais il y a des maladies d'origine mystique. Les médecins même disent, on comprend rien. On enlève cette partie-là, ça repousse. On enlève ces fibromes, ça repousse. Qu'est-ce qui se passe? Allez voir dans votre famille, ils ne comprennent pas. Regardez comment le Seigneur a guéri les gens. Cet homme qui avait l'épilepsie, qui souffrait d'épilepsie, vous vous rappelez, non? Il était lunatique. À chaque fois la lune, il y avait la pleine lune. Attaque! La pleine lune. Pourquoi la lune? La lune, c'est un démon. Voyez, non? Sa crise. Et le Seigneur a vu qu'il y avait un démon derrière. Il est venu y aller. Sors de ce corps. Le démon l'a projeté par terre. Les églises où il n'y a pas la délivrance, quittez-les.
Si dans votre église on ne chasse pas les démons, prenez vos jambes à vos cou, courez. Si on veut que ça soit tout, que tout le monde paraisse beau, à costard et cravate, tout le monde est beau, on se salue par majesté, tout ça, on est tous gentils. Ah! Alléluia! On dit le pasteur est gentil, il parle bien, il est beau, il est bien présenté. Ah bon? Derrière, il y a quoi? Il y a un monsieur ici, je crois que je ne le vois pas là. S'il était là, j'allais le chasser tout de suite. C'est lui qui est venu témoigner la dernière fois avec sa femme devant ici, qui était guérie d'un œil là. C'est pas sa femme. Voyez? Et une femme, une jeune fille est venue me voir pour me dire, il a couché avec moi dans l'église où on était tous ensemble et on s'est retrouvés ici. Déjà, si tu es là, tu dois déjà toi-même partir. Parce que si je te vois, je veux te demander de te lever devant tout le monde et te chasser. Parce qu'on joue avec le péché. Et si tu me suis depuis chez toi, tu sais que tu ne peux plus revenir, reste chez toi. Parce qu'on ne peut pas se moquer du Seigneur. Tu es une femme, tu viens avec une autre femme ici, tu te fais passer pour son mari et tu couches avec tes filles. Et la fille dit, quand tu couches avec moi, il commençait à avoir les yeux un peu révulsés. Et il dit, c'est l'onction, tout ça. Et puis moi, je commence à avoir des vertiges. Voilà les sorciers. Vous allez voir un pasteur. Combien de gens, mes amis, aujourd'hui ne sont-ils pas manipulés comme ça là? Et je vais vous dire une chose, autre chose. Je ne suis pas un marabout. Ne venez pas me voir pour me dire, Dieu ne t'a rien montré. Dieu ne m'a rien montré sur toi. Dieu m'a montré que tu dois lire la Bible. Tu dois aller voir Dieu devant son trône et lui parler. Où est-ce que tu l'as montré? Alléluia! Il faut qu'on arrête avec ces pratiques-là parce que vous transformez les hommes en marabouts. Ça, c'est la sorcellerie. Vous voulez que je parle encore? On finit bientôt, vous n'inquiétez pas. Les gens vont dire, mais il est dur. Mais il faut prêcher la vérité. Paul dit quoi? Ôtez le méchant du milieu de vous. Dieu n'aime pas le péché. Le mari que tu as là n'est pas ton mari. Mais tu sors avec parce que tu as besoin d'être soutenu financièrement. Donc tu es une prostituée. Alléluia. Si un esprit sort d'un homme, il va où? Dans les lieux arides. Et il cherche du repos, il en trouve un. Et il dit quoi? Je retournerai dans ma... Ah, Satan cherche des maisons, cherche des maisons. Et il dit, la Bible dit que quand il arrive, il la trouve vide, balayée et... Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attends. Je m'en vais prendre combien de démons? Sept autres démons, comment? Plus méchants que lui. Donc il y a des démons qui sont plus méchants que d'autres. Alors je vais vous dire une chose. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi la pire de méchanceté, la pire d'hypocrisie se trouve dans les assemblées? Pourquoi certains païens sont plus corrects que la plupart de nos chrétiens? Qui l'a déjà constaté? Savez-vous pourquoi c'est comme ça? Parce que quand ces chrétiens se sont convertis, ils étaient nettoyés. Mais ils sont tombés dans un péché. Et les démons qui étaient sortis sont allés prendre sept autres plus méchants. Donc si cet homme à la base était possédé par 1000 démons, à sa conversion, les 1000 démons sont chassés. Et la personne retourne dans son péché d'avant. Eh bien ces 1000 démons, quand ils vont revenir avec combien de démons en tout? Ils vont être combien? Vous êtes sûr? Ils vont prendre combien? 7000. Plus les 1000 d'avant, ça fait 8000. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs, ils deviennent de plus en plus méchants. C'est comme s'il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que ben, ils sont tellement possédés, ils sont plus possédés que quand ils étaient païens. Voilà. Qui comprend mieux les choses encore?
voir la cupidité se trouve dans les assemblées. La haine, là. Division pour avoir son entreprise, là. Mensonge, là. Oh Seigneur. Et comme vous le savez, aucun homme ne pouvait les dominer, les vaincre. Aucun homme. Aucun homme. Quand le Seigneur est arrivé, le temple était souillé. Les synagogues n'en parlent même pas. Vous vous rappelez quand le Seigneur enseignait dans la synagogue? Les démons disaient, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Vous vous rappelez, non? C'est-à-dire qu'ils se sentaient à l'aise dans les synagogues. Tout comme aujourd'hui, les démons sont à l'aise dans les bâtiments d'église. Ils aiment être là. D'ailleurs, ils sont même encouragés quand ils encouragent même les pasteurs à prêcher. Parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont commencé à, ils vont commencer à rire du matin au soir. Et tout le monde est là. Ils retournent, ils sortent de là. Quand ils sortent de là, on leur dit, on a prêché sur quoi? Oh, mais c'était magnifique. Mais on a prêché sur quoi? Ils ne savent pas. On a volé tout ce qu'ils avaient reçu. Appel qui sort du bâtiment de l'église, il y en a un qui sort sa cigarette. L'autre là-bas prend son téléphone, appelle sa copine, son copain, tout ça. C'est que ça. Et les guérisons, il n'y en a pas. Les délivrances, il n'y en a pas. Les conversions, alors on en parle, les conversions, mais on n'en parle même pas. Les conversions, mais sont devenues rares. Les conversions, ce ne sont plus des conversions, ce sont des adhésions au bâtiment d'église. Parce qu'une conversion, c'est quand une personne se tourne vers Dieu, fait partie, devient membre du royaume de Dieu. Mais une adhésion, c'est quand on a une carte de membre et qu'on devient régulier au sein d'une église locale, connaissant particulièrement son pasteur. Là, c'est une adhésion. Et quand on adhère comme ça à une église locale, on dit au pasteur, ne bouge plus, reste avec nous parce que nous avons adhéré à toi. Et si on enlève le pasteur, les gens vont se dire, on fait quoi? Qu'allons-nous devenir? Voilà, ce sont des adhérents. Yeshua est venu. Oh, alléluia. Il est venu. Il est descendu. Quand il est né, Dieu a envoyé un ange avant qu'il ne naisse, Gabriel. L'ange Gabriel, son nom signifie homme de Dieu. Et il se tient devant Dieu, devant le trône. Et Dieu lui dit, Gabriel, oui maître, descends sur terre. Va annoncer à l'humanité, notamment à Marie, que je viens. L'ange vient et dit à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant et tu donneras le nom de Yeshua, Jésus. Ça veut dire quoi? Yahvé et salut. Yahvé sauve. Yahvé est sauveur. Pourquoi? Parce que pour être libéré des démons, il fallait le sauveur. Pas un sauveur, mais le sauveur. Et Marie dit, mais je ne connais pas d'homme, je suis vierge. L'ange lui dit, mais la puissance du Très-Haut te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Et celui qui va, Dieu disait à Zacharie, par Gabriel, cet enfant-là va libérer son peuple. Oh, Dieu d'Israël. Marie tombe enceinte. Et une étoile se lève au ciel. L'étoile du matin, la lumière qui a éclairé les ténèbres de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, l'abîme. Satan ne voulait pas aller dedans. Il était au-dessus. Et Apocalypse 20 nous dit qu'il va être enchaîné. Jeté dans l'abîme. Ouh. Il va faire de la prison. Pour 1000 ans. Et là, quand il est né, Hérode, un grand sorcier sataniste, a senti que son trône était menacé. Il a tremblé. Un enfant. Il n'y a aucun prophète dont... Aucun prophète, vous me trouverez dans aucune religion, où il est question d'un prophète qui a fait trembler un grand roi
comme Hérode juste parce qu'il est sorti du ventre de sa mère, juste à sa naissance. Jésus l'a fait. Il ne savait pas encore parler en tant que... Il était bébé. Déjà, sa naissance a provoqué un trouble. Des mages, vous savez, ceux qui ont reçu la révélation, ce n'étaient pas les grands docteurs. Ce n'étaient pas les grands théologiens. Ils étaient aveuglés par l'argent, par les la course au titre. Et c'était des sorciers. Dis à ton voisin, des sorciers. Ceux qui vont reconnaître la main de Dieu sur toi, c'est d'abord Satan, sorcier, les démons. Ceux qui vont reconnaître que Dieu a mis sur toi son sceau, que Dieu t'a mandaté, c'est d'abord le royaume de Satan. C'est d'abord le royaume des démons. C'est d'abord ce royaume-là qui saura qui t'a mandaté. Pourquoi? Parce que c'est un royaume spirituel. Et quand Dieu mandate quelqu'un, quand Dieu oint quelqu'un, il y a comme il y a de l'orage spirituel autour de la personne. Il y a une activité spirituelle autour de la personne. Il y a un mandat prophétique autour de la personne. Il y a la nuée de Dieu autour de la personne. Et Satan le sait. Satan le remarque. Jesus Christ. C'est pourquoi je veux parler aux enfants de Dieu. Ne courez pas après les hommes, même pas après moi. Ne venez pas tout le temps me voir les mêmes problèmes. On n'est plus là. Si c'est pour qu'on se salue vite fait, oui. Mais ne cherchez pas toujours à vous là des heures et des heures. C'est fatigant. Vous êtes mature. Comprenez votre identité. Qui vous êtes? Plusieurs mages touchés, ils étaient ce jour-là en train de regarder le ciel pour tirer des présages. Ils observaient les étoiles comme d'habitude. Ils voulaient avoir ou faire des prédictions pour connaître l'avenir. Mais ce jour-là, l'étoile brillante du matin a ébloui leurs yeux, a caché toute la, n'est-ce pas, tout l'éclat d'autres, les éclats d'autres étoiles. Et ils ont vu que cette étoile-là marchait. Cette étoile les guidait, tel un GPS. Et l'étoile les a conduits jusqu'à la maison. L'étoile de Dieu ne te conduira pas à l'impudicité, ne te conduira pas à la mort. L'étoile de Dieu te conduira à la maison du Père. L'étoile de Dieu te conduira à la maison de la grâce, à la maison de la guérison divine, à la maison de la restauration, de la sanctification. Jesus. Oh oui, Seigneur, sois acclamé. Il y en a qui sont dirigés par l'étoile de Dieu. La nuée de Dieu te conduira